Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 30 octobre, fête du Christ roi. Trois séquences, tout d'abord à l'occasion de la parution chez Talendier d'un ouvrage « Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ », rencontre avec Jean-Christian Petit-Fils. Ensuite, dans le cadre de l'application du motu proprio Traditionis Custodes, nous accueillerons Aldona Trezeras, qui est fidèle de la messe traditionnelle à Grenoble, un des points particulièrement identifiés de difficultés sur l'application de ce motu proprio. Et enfin, Monsieur le chanoine d'Espagne, prêtre référent de l'école Saint-Dominique du Pec, qui vient de prêcher une mission salésienne. Alors nous verrons ce qu'est une mission salésienne. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un historien connu, voire célèbre, et vous avez publié plusieurs ouvrages sur le Christ, d'abord un Jésus, et ensuite un dictionnaire amoureux de Jésus. Et vous revenez maintenant avec le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ. Alors l'histoire moderne du Saint-Suaire commence dans la nuit du 28 mai 1898 à Turin. Que se passe-t-il cette nuit-là ? Eh bien, c'est un avocat, le chevalier Segondo Pia, un Italien de Turin, grand amateur de photographie, bien connu pour cela à Turin, qui a obtenu la permission de photographier le linceul lors d'une ostension. Première photographie. Et donc, ça va se passer dans la nuit, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et puis il va rentrer chez lui, avec ses plaques, évidemment. Il va poser ses plaques dans le bac à développement, avec la petite lumière rouge, comme il y avait autrefois. Et puis, il saisit sa plaque. Et là, il est saisi de stupeur. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le visage du Christ comme on ne l'avait jamais vu depuis 2000 ans. En effet, sur le linceul, il y a une inversion des couleurs. Le noir devient blanc et le blanc devient noir. De sorte qu'en réalité, le linceul se comporte comme un négatif photographique. Négatif sur négatif, ça donne un positif. Sur la première fois, Segondo Pia voit le visage en positif de Jésus-Christ. Et là, il dira lui-même qu'il a été tellement bouleversé qu'il a manqué de lâcher la plaque et de la briser. C'est le début de l'ère scientifique pour le linceul. Jusque-là, il y avait donc une tradition historique avec certaines zones d'ombre, notamment tout au début de l'histoire, puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'est devenu ce linceul du 5 avril de l'an 33, jour de Pâques et de la Résurrection, à l'année 387-388, époque à laquelle il apparaît à Édesse une image non faite de main d'homme que un très grand nombre de personnes viennent vénérer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît dans l'iconographie une modification fondamentale. Au lieu de représenter le Christ imberbe comme un jeune Apollon, on le représente avec des traits sémites, une barbe bifide, des cheveux longs, exactement tout ce que nous voyons sur le linceul de Turin actuellement. Et puis de là, eh bien, le linceul connaîtra des pérégrinations assez complexes. D'Édesse, il ira à Constantinople. De Constantinople, il ira en France. Il sera conservé à la Sainte-Chapelle. Il sera donné ensuite à un grand chevalier français, porte-étendard de Philippe VI de Valois, lequel le montrera sous forme d'ostension à Liré, dans son petit village de Liré. Il avait construit une église en bois pour honorer la Vierge. Et puis, le cadeau que lui a fait Philippe VI de Valois, qui ne savait pas très bien la valeur de ce qu'il faisait en réalité, eh bien, va lui permettre de montrer ce linceul. Et puis, ce linceul, donc, ira ensuite, il sera vendu par sa petite fille, il ira à Genève, à Chambéry et à Turin. Alors, quelles sont les sciences qui, dans leurs domaines respectifs, s'intéressent au suaire de Turin et qu'est-ce qu'elles nous enseignent, ces sciences ? Alors, très nombreuses approches scientifiques. On s'est occupé des pollens en particulier. On a trouvé des pollens de plantes qui poussaient entre Jérusalem et Hébron. On a trouvé même des fleurs, des traces. Et dont certaines ont disparu. Notamment des fleurs. Avinohan Danin de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est juif de religion, donc pas du tout chrétien, a raconté
raconté qu'il avait vu, trouvé la trace d'une fleur qui avait disparu au 8e siècle. Et même, il a noté la présence d'une fleur palestinienne qui s'ouvrait le matin vers 10h et se fermait le soir vers 17h. De sorte, dit-il, qu'on pourrait dater l'ensevelissement de Jésus à une heure donnée. Voilà. Oui. Donc il y a les pollens, il y a des traces de fleurs, il y a des inscriptions sur le linceul, le long du visage. Alors on ne sait pas très bien comment ça a été fait, mais enfin c'est un Français notamment qui a travaillé beaucoup là-dessus, André Marion, de l'Institut d'Optique d'Orsay, qui a vu des inscriptions en fantôme d'écriture, dit-il, parce que toutes les traces de peinture ont disparu. Nazarenos, le Nazaréen. Une inscription aussi, Inetche, qui est un reste probablement de la formule de condamnation à mort qu'aurait signé l'huissier. Inetchem ibis, à la mort tu iras. Il y avait deux formules chez les Romains, In crucis ibis, à la croix tu iras, ou Inetchem ibis, à la mort tu iras. Et puis en dessous, Ezou, qui serait peut-être les restes de Jésus, Jésus. Donc voilà, donc, des inscriptions, une pièce de monnaie, une ou deux pièces de monnaie. Il y en a une en tout cas qui est très, très, très remarquable, qui a été trouvée en 1978 par le père Philas, qui est un lepton frappé par Ponce Pilate entre l'an 29 et l'an 31. Donc si on veut une datation du linge, eh bien on n'a pas mieux. Il y a une petite houlette qui était le symbole de Ponce Pilate, et puis des inscriptions, Tiberius Caesaros, Tibère César. Alors sur ces questions scientifiques, il a également été fait abondamment mention dans les médias de la datation au carbone 14 qui est intervenue en 1988 et qui concluait à l'origine médiévale de ce document. Alors quel est l'état de la question sur ces datations ? Alors cette datation a déjà été très surprenante. Moi je me souviens du coup de tonnerre que ça a donné à ce moment-là. Aussi. Et c'était en contradiction avec des études scientifiques dont je n'ai pas parlé, mais qui avait été faite par un groupe américain de 33 savants très compétents dans tous les domaines, qui avait eu pendant 2 jours à disposition le linceul, qui avait fait des études de spectrographie, de microscopie, optique, et tout cela pour arriver à une conclusion que le linceul n'était pas une peinture, que c'était une image sans contour. La face dorsale et la face ventrale étaient absolument identiques, comme si le corps était en état d'apesanteur. Et on avait trouvé aussi une caractéristique, c'est la tridimensionnalité. C'est-à-dire que le corps, c'est comme si le corps s'était projeté, avait projeté son image. Et donc l'image est inversement proportionnelle entre la distance se situant entre le linge et les espaces du corps. Donc c'est un phénomène tout à fait étonnant. Et alors là-dessus, en 1988, intervient la datation carbone 14, qui tombe comme un couperet, une plage définie, 1260-1390, avec 95% de chance que ça soit de certitude. Et les statisticiens ont regardé, parce qu'il y a eu 3 laboratoires, donc Zurich, Oxford et Tucson en Arizona, et les statisticiens se sont aperçus en regardant les chiffres. Quelques chiffres ont été donnés, tout n'ont pas été donnés, hein, des chiffres retraités par les laboratoires. Qu'il y avait une contradiction déjà entre Oxford et les deux autres, de sorte qu'il y avait seulement 5% de taux de fiabilité. Bon. Puisqu'il y a 100 ans d'écart dans les datations. Bizarre. Bon, on est toujours au Moyen-Âge, mais enfin, c'est quand même bizarre. Et puis, en 2017, donc c'est pas vieux, un jeune chercheur, Tristan Casabianca, a obtenu du British Museum, qui était le coordinateur de l'expérience de 1988, les chiffres bruts, le dossier complet. Et là, dispersion totale de toutes les données, on n'arrive plus qu'à 1% de fiabilité. Donc, et on a même l'impression que plus on va vers le centre du linceul, plus l'âge diminue. Bon. Donc il y a des incohérences et ça ne fonctionne pas. Alors on a au moment du carbone 14 parlé de malversation, de dissimulation, de fraude, d'échange d'échantillons. Non, ces laboratoires sont très sérieux, ils ont fait leur boulot. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté le protocole, ils se téléphonaient alors qu'ils avaient promis de ne rien dire, faire l'expérience en
en aveugle, mais bon, on peut les comprendre dans la mesure où ils avaient tous peur que de se planter. Oui. Voilà, donc c'est tout. Cela étant, donc c'était pas très sérieux. Ça se faisait quand même dans une atmosphère d'hostilité à l'égard de l'Église, du cardinal Balestrero. Son conseiller, le professeur Gonella, que j'ai connu, avait été écarté. Aucun représentant du Saint-Siège n'était là. Et c'était seulement l'équipe des radiocarbonistes qui étaient entre eux et qui avaient tout manigancé. Donc on s'aperçoit donc que cette expérience ne fonctionne pas. Et puis en 2005, on a eu l'explication. Il y a eu probablement des pollutions par des champignons. Il y a eu une très, très forte dose de carbonate de calcium sur les fils de lin, parce qu'il y a eu un incendie des incendies, oui. En 1532 à Chambéry. Il a fallu jeter de l'eau. Et surtout, c'est la découverte de Raymond Rogers, un très grand savant qui faisait partie de cette équipe du STURP de oui. 1978, qui a, peu avant sa mort, découvert que c'était dans une zone de ravaudage. Donc on avait inséré très discrètement des fils à travers des fils anciens. Tout ça s'est passé probablement au Moyen Âge, au milieu du XVIe siècle. Et ce ravaudage donc anéantit complètement l'expérience du carbone 14. Depuis, il y a eu des travaux faits par des Italiens, notamment le professeur Giulio Fanti, qui a utilisé une autre méthode, la méthode de la torsion du lin. Il a fabriqué des échantillons, et puis des échantillons de lin ancien, et il arrivait, lui, à une datation alors très vaste, hein, entre 250 et plus 250, moins 250, plus 250, autour de l'an 30, quoi. Et tout récemment, au mois d'avril 2022, le professeur Liberato De Caro de l'Institut cristallographique de Bari, donc, qui appartient au CNRS italien, ce n'est pas des gens, des plaisantins, il arrive à la conclusion que ce sont du lin qui date du 1er siècle. Il a trouvé un échantillon de lin du 1er siècle, lequel a été découvert dans la citadelle de Massada, la fameuse citadelle qui a résisté aux assauts des Juifs, des Romains en l'an 73. Et donc, par conséquent, c'est un linge du 1er siècle. Et la structure, grâce à une méthode nouvelle de rayon X, est identique. Voilà où on en est du point de vue des recherches. Il y en aura peut-être d'autres. Malheureusement, en 2002, on a nettoyé complètement le linceul. Au lieu de l'enrouler, on l'a mis dans une grande vitre, sous une grande vitre, avec un gaz neutre pour le préserver, parce qu'il commençait à faire des plis, commençait à s'abîmer, mais l'image aussi commençait à disparaître. C'est ça qui était gênant, parce que du fait du lin qui vieillissait, qui jaunissait. Donc, à ce moment-là, on a enlevé par un petit aspirateur tous les pollens, tout ce qu'on a pu trouver, on les a catalogués. Mais ça sera quand même difficile maintenant de retravailler sur le linge lui-même. – Alors une autre question classique dans les travaux que vous faites sur le Saint-Suaire de Turin, vous expliquez que les clous qui sont enfoncés dans la main du Christ ne sont pas dans la paume, mais sont dans ce qu'on appelle l'espace de Desto, sans ça, ça ne tiendrait pas. Or, tous les mystiques ont, pour ceux qui sont stigmatisés, ont les stigmates dans la main et non pas dans le poignet. – Oui, mais alors, les signes du mysticisme ne sont pas des signes historiques, et évidemment, d'ailleurs, ça varie d'un mystique à l'autre. Vous savez, le clou de Saint-François d'Assise, c'était un clou qui tournait dans la paume. Alors, il y a eu les travaux du professeur Barbet, oui. Pierre Barbet, à l'hôpital Saint-Joseph, qui a justement encloué des cadavres, et il s'est aperçu que si on enclouait dans la paume, la main se déchirait et le corps tombait. Voilà, alors, donc, entre le mysticisme d'un côté et puis la réalité historique, il y a une différence. Ça n'empêche pas qu'il y a une vérité dans le mysticisme, mais c'est la même chose pour les apparitions de la Vierge. La Vierge, elle n'était pas en robe bleue avec des fleurs dans la vie courante, hein, dans sa vie de Palestine. – Alors, qu'apporte le Saint-Suaire aux croyants d'abord, à l'incroyant ensuite ?– Alors, aux croyants,
C'est quelque chose d'important, mais c'est pas une question de foi. Je crois que il est important de dire, on peut très bien ne pas croire à l'authenticité du Lassalle, donc contre toute évidence. Donc c'est pas une question de foi, et jamais l'Église, surtout aujourd'hui, se prononcera en disant c'est la Sainte Couronne d'épines, c'est le Lassalle, c'est la tunique, ce sont absolument authentiques. Tout ça n'est jamais. Elle le fera parce que maintenant la science est emparée aussi de ses reliques. Par conséquent, elle doit avoir un certain recul. Et puis son but n'est pas d'authentifier des reliques. Son but, c'est d'annoncer la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Alors, donc, le croyant, ça lui apporte beaucoup. Ça lui apporte des renseignements sur la passion. Et puis ça lui apporte un visage aussi, une présence. C'est très émouvant. Paul Claudel disait « plus qu'une image, une présence ». Et c'est vrai, quand on contemple le visage de Jésus, tel que l'a découvert Segondo Pia, on est frappé de la majesté, de la sérénité dans la mort, alors que le supplice enduré a été atroce, absolument atroce. Donc ça nous renseigne sur la passion. Et la passion, en fait, on a trop tendance, nous, chrétiens, à un peu éliminer le supplice de Jésus. On voit une croix, on voit un homme sur une croix, on ne se rend pas compte de l'horreur qu'a représenté ce supplice. Avec, de surcroît pour Jésus, une flagellation qui était une peine en soi, qui avait été prononcée par Ponce Pilate, parce qu'il ne voulait pas obéir aux autorités juives, il ne voulait pas se laisser manipuler. Et donc, il avait dit, je vais le condamner, je vais le faire flageller. Alors, la flagellation a été atroce, 120 coups de fouet, on le voit sur le linceul, avec des petites billes, des fouets, un fouet qu'on appelle le flagrum. On a retrouvé très exactement quel fouet a été utilisé, avec des petites haltères, et qu'on voit au microscope électronique, des traces de liquide séreux tout autour de ces coups. Abominable, comme supplice. Et puis, le coup de lance, on sait que c'est une lancéa en forme de feuille. Il y a certains types de lances qui ne correspondent pas, mais la lancéa romaine, c'est tout à fait le coup. Etc., etc. Alors, je ne peux que renvoyer, vraiment, c'est passionnant. C'est mené un peu comme une enquête policière. Traiter les objections. Et puis au milieu, il y a un petit fascicule avec des photos. C'est vraiment très, très, très intéressant et ça apporte beaucoup. Alors, vous aurez également vous nous ferez le plaisir d'être présent à la fête du livre de Renaissance catholique qui aura lieu le 4 décembre prochain aux Pyramides à Port-Marly. Je vous remercie infiniment et puis je souhaite surtout une bonne lecture à nos téléspectateurs. Merci, cher monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Nous avons fait connaissance à la soirée de TV Liberté au mois de juin dernier et votre témoignage m'a particulièrement intéressé. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir en reparler à nos téléspectateurs. Alors vous êtes d'origine polonaise, vous avez donc été élevée dans la religion catholique, mais vous êtes présente en France depuis 35 ans et vous étiez jusqu'à une époque récente très engagée dans votre paroisse. Quelle était votre motivation ? La motivation, c'était, je pense, servir l'Église et témoigner de ma foi, de notre foi, puisque nous le faisions avec mon mari, auprès de ceux qui ne vont pas à la messe. Parce que quand j'ai quitté ma Pologne, j'ai vu que, par exemple, un dimanche, il y avait 7-9 messes dimanche. Et j'arrive en France, il y a la messe soit samedi soir, soit dimanche pour une paroisse. Donc, effectivement, les contrastes étaient saisissants. Et donc, très investi dans votre paroisse, vous découvrez la messe traditionnelle il y a 2 ans maintenant. Dans quelles circonstances ? Déjà, c'était plusieurs paroisses, parce qu'on a cherché toujours une paroisse qui nous convienne, parce que je me sentais souvent à la messe comme un inspecteur qui check si tout va bien. Et ça me dérangeait beaucoup, parce que je ne pouvais plus me concentrer sur la prière, mais parce qu'ils me disaient « mais là, ils ont oublié de dire ça ». Là, ils ont ajouté ça. Donc, c'était très inconfortable jusqu'à ce qu'on trouve des paroisses qui nous conviennent tout à fait bien. Et puis, c'était la crise de Covid qui était révélatrice de beaucoup, beaucoup de choses. Les églises fermées, plus de messes. Et nous avons découvert sur Internet
des célébrations que nous avons écoutées, nous ne connaissions absolument rien de la messe traditionnelle, mais je ne savais même pas que ça existe. Je suis née en 66, donc je n'ai connu que la messe que j'ai appris, qu'elle s'appelle Novus Ordo, en Pologne. Ça m'allait très bien, pareil en France. Jusqu'au moment où, dans ma paroisse, on m'a dit qu'on ne m'entendra plus la communion sur la langue. Et ça, c'était... soit on croit que Jésus est Dieu, et donc on le reçoit dignement, soit on n'y croit pas. Et pour moi, c'était une question à laquelle il fallait que je trouve la réponse. Et j'ai dit, ben, dans ce cas-là, je vais chercher une église où on pourra me donner la communion sur la langue. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce que c'est devenu ? Donc, nous avons, à Grenoble, nous savions qu'il y a une église bizarre. Nous sommes allés une fois à une messe de mariage, un peu en spectateur, on n'a pas compris grand-chose. Mais là, on s'est dit, bon, on va tenter notre chance, on va voir qu'est-ce qu'on comprend. Et c'était vraiment quelque chose, on s'est senti comme arrivé quelque part. On n'a rien compris parce que, à part les lectures, tout était en latin. Mais moi, j'aurais trouvé ce que j'ai cherché, que j'ai perdu depuis, voilà, que j'ai vu en Pologne, cette espèce de silence. Je pense que c'est ça qui commençait à me manquer vraiment à la messe en France. Et je me souviens que je contactais l'abbé, son numéro de téléphone, il était sur le dos de la feuille paroissiale, et je demandais un entretien. Il m'a expliqué un peu qu'est-ce que c'est la Fraternité Saint-Pierre, que je ne connaissais absolument rien. Je lui demandais, mais vous êtes bien au sein de l'Église, en union avec Vatican, tout ça. Et donc, je lui ai posé une question. Est-ce que vous pouvez me promettre que vous me permettrez toujours de communier sur la langue ? Il m'a dit, ma chère madame, je ne pourrais jamais faire autrement. Et donc, nous y sommes restés. Et donc, l'église dont il est question, c'est l'église Saint-André à Grenoble, qui était desservie par la Fraternité Saint-Pierre jusqu'il y a un an maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année qui vient de s'écouler ? Comme nous avons rejoint la collégiale Saint-André, c'était en janvier 2021. Voilà, on a rejoint une communauté vivante. L'abbé qui était très attentif à beaucoup de familles comme nous qui avons quitté nos paroisses. Donc vous avez le sentiment qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de nouveaux paroissiens qui sont arrivés. C'est pas un sentiment, c'est tout. Ah pardon. Tout c'est une réalité. Exactement. Une observation clinique. Tout à fait. Presque une nouvelle pastorale de cette collégiale auprès des gens qui, pour des diverses raisons, ont été obligés de quitter leur paroisse. Parce que, par exemple, une paroisse très fervente, enfin l'église, a été vendue. D'abord, elle a brûlé, ensuite elle est vendue. Donc, les paroissiens étaient dispatchés dans les autres églises. Et donc, il y en a une partie qui a rejoint la collégiale Saint-André. Donc, on se doutait de rien. Et puis, le 16 juillet 2021... Motu proprio, traditionis custodes, qui, voilà, on s'est fait expliquer qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, on n'est pas latiniste, que voilà, il y aura une difficulté, et surtout, l'évêque de Grenoble, il a pris cette décision injuste. Donc, Monseigneur de Quérimel. Monseigneur Guy de Quérimel. Il a pris cette décision injuste, et très blessante, pour une église où il y avait, qui était dédiée à la célébration dans les rites Pie V, il a fait partir, il n'a pas renouvelé la convention avec la Fraternité Saint-Pierre, et nous avons maintenant un prêtre diocésain qui s'occupe de notre communauté. Mais alors, est-ce que, parce que les communautés traditionnelles, il y a la messe, mais selon l'expression de Monseigneur Brouet, il y a aussi tout ce qui va avec. C'est le catéchisme, les vêpes, les visites aux malades, ça devient quoi tout ça ? Alors c'est maintenu pour le moment. C'est maintenu les catéchismes, les vêpres des dimanches. Il y a une modification, la volonté de Monseigneur de Quérimel, c'était introduire la messe, une messe chantée par dimanche, la première messe du mois, en rite Paul VI. Et je ne comprends pas pourquoi elle est en latin.
Ben parce que dans l'absolu, c'est possible. Et donc oui. Aujourd'hui, quelle est la situation? Donc le premier dimanche du mois, il y a la nouvelle messe en latin et une messe basse avant, c'est ça? Voilà, il y a la messe basse, toujours, en, tout en latin, donc en oui. Rite Pie V. À 10h30, la messe chantée, rite Paul VI, en latin. Et les messes de dimanche sont maintenues en rite Paul Saint-Pie-V, d'accord. Tout à fait. Alors, que vous apporte cette liturgie? Pourquoi restez-vous là, d'une certaine manière? Elle m'apporte ma place de l'enfant de Dieu, que j'ai trouvé que c'était un peu... J'étais pas à ma place, parce qu'il y avait plutôt, je vais utiliser le mot en anglais, partnership avec Dieu, tandis que là, je suis enfant de Dieu. Il y a quand on lit le... toutes les prières qui sont dans les missels, mais on a presque envie de pleurer, et on s'est dit, mais on avait tous ces trésors, et on nous l'a volé, tous ces mots avec lesquels prier, s'adresser à notre Seigneur, Créateur, toutes ces belles prières qui nous remettent bien dans la place de créature, enfant de Dieu, qui demande humblement pardon au Seigneur, et aussi la messe, c'est la sainte messe, c'est la hostia victime, enfin, et pas les banquets. Enfin, tout ça, on avait besoin, j'avais besoin de plusieurs semaines, mois, années, et je ne finirai jamais de méditer, mais qu'est-ce que c'est la Sainte Messe? Mais ces prières m'aident énormément, c'est sûr, que je me sens plus en sécurité, je pourrais dire. Comment voyez-vous l'avenir? Ça va rester comme ça? Vous demandez à ce que le premier dimanche du mois soit également la messe traditionnelle qui soit chantée? Mais bien sûr que c'est notre attente, et peut-être rétablissement d'une communauté plus formée dans ces, comme l'Ecclesia Dei. Parce que, voilà, quand vous avez dit, c'est pas que dire la messe, c'est toute la pastorale qui est différente, parce que c'est l'approche un peu différente pour un prêtre diocésain. Il peut dire la messe en Saint Pie V, mais deux fois, ça ne suffit pas, parce qu'il y a la formation derrière qui n'est pas la même. Donc on laisse bien sûr le temps, la place de s'installer en nouvel évêque Jean-Marc Echène, qui sera installé ce samedi en la basilique Sacré-Cœur de Grenoble. Et certainement on attendra beaucoup de lui, qu'il enlève ce décret injuste. Eh bien merci beaucoup chère madame de ce très intéressant et très émouvant témoignage. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Chanoine. Bonjour Monsieur. Vous êtes aumônier de l'école Saint-Dominique au PEC et vous avez prêché du 3 au 5 octobre une mission salésienne. Alors qu'est-ce qu'une mission d'abord et une mission salésienne ensuite? Alors une mission, quand on parle de mission, on s'imagine un petit peu les grandes missions, les missionnaires qui sortent de leur brousse en soutane blanche avec leur grosse barbe. Et qui nous parle de sorciers, de toutes ces histoires que l'on peut retrouver dans les grandes missions. S'il fallait trouver une comparaison pour nos missions, notre mission salésienne à Saint-Dominique, il faudrait plutôt se pencher vers ce qu'a fait Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, vous savez, dans les diocèses bretons et vendéens. Et lorsqu'il passait dans les paroisses avec d'autres confrères, avec sa cloche pour appeler à la conversion, en disant qui veut gagner son paradis, etc. Et puis ça durait quelques jours, et puis au bout de ces quelques jours, eh bien tout le monde se confessait, tout le monde faisait ce qu'il fallait pour se remettre en règle avec le bon Dieu, et puis on érigeait une grande croix de mission avec une date, etc., qui marquait un petit peu ce qui venait de se passer dans ces villages. Alors la mission salésienne, c'est ce que nous avons voulu faire ça à Saint-Dominique, permettre aux élèves de faire un grand moment de conversion pour toute l'école. La mission en tant que telle, c'est une pratique qui permet de consacrer un temps pour le bon Dieu, pour favoriser une dévotion et puis pour encourager à la piété en permettant une émulation, si vous voulez. On avait un... Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette mission salésienne, nous avions quatre confrères de l'Institut du Christ III,
qui sont venues, quatre religieuses aussi, adoratrices du Christ roi aussi, qui sont venues pendant 3 jours. Et ils parlaient aux élèves de saint François de Sales, ils prenaient le prétexte, si vous voulez, de la vie de saint François de Sales pour prêcher les vertus de saint François de Sales. Pourquoi salésienne? Parce que, d'une part, parce que c'était l'anniversaire, le 400e anniversaire de la mort de saint François de Sales. Il est mort un 28 décembre 1622. 1622. Et alors, pour fêter cet anniversaire, nous avons consacré cette année à l'école à saint François de Sales, donc il fallait en parler. Et puis, aussi parce que l'Institut du Christ roi, pour patron et patron principal, c'est saint François de Sales. Donc nous avons, si vous voulez, pour charisme, de diffuser cette dévotion à saint François de Sales et vertu salésienne. Alors concrètement, parce qu'il faut y venir, concrètement, les directeurs avaient fait en sorte du primaire et du secondaire, de la petite section, la moyenne section à la terminale, tous les élèves ont pu entendre parler de saint François de Sales. Les directeurs avaient adapté les emplois du temps quotidien pour permettre à un chanoine de passer pendant les 3 jours, ça variait entre un quart d'heure et une heure selon les classes, pour parler de saint François de Sales. Mais à une manière de prédication, si vous voulez, c'était pas une histoire simplement racontée, il y avait une vraie prédication. Et puis ensuite, tous les élèves pouvaient se confesser, avaient des créneaux pour se confesser, toute l'école en 3 jours, c'est merveilleux, c'est confessé, vous voyez. Et puis ensuite, on avait des adorations du Saint-Sacrement, toutes les classes aussi sont passées devant le Saint-Sacrement, il y a eu des chapelets organisés également, et puis les mecs, ils avaient la messe aussi pendant ces 3 jours, une fois, donc avec une prédication également. Donc c'est un peu, on pourrait dire, toute l'école qui s'est sanctifiée en 3 jours. Alors, comment ont réagi les élèves ? Alors, c'est très émouvant, si vous voulez, de voir ça. Parce que, comme je vous disais, c'est toute l'école qui sanctifie. On voit des petits enfants qui sont émerveillés de telle ou telle histoire que racontait un chanoine ou une sœur. Et on a constaté une grande piété, un renouvellement de la dévotion. Alors, si vous voulez, la réaction des élèves... oui, au-delà du fait qu'ils ont perdu quelques heures de cours, ça les arrangeait bien. Ils ont quand même été très heureux. Ils en demandaient même un petit peu plus. On a l'impression qu'on pourrait passer encore plus de temps pour ça. Enfin bon, nous sommes une école quand même. Mais ce qui était beau à voir dans la dévotion des élèves, c'est que on mesure, si vous voulez, les fruits qu'on mesure chez les élèves, ils sont pas tangibles. Voilà, quels sont les fruits que vous avez observés? Voilà, on en observe certains. Il y en a toute une grande partie, les 90%, on peut pas les voir parce que c'est dans l'âme des enfants. Mais si vous voulez, on voyait après la mission plus d'élèves dans la chapelle. Le matin ou pendant la récréation. Un confrère me disait qu'il avait constaté, lors de la grande messe, la messe solennelle de conclusion de la mission, de clôture de la mission, une grande piété chez les élèves dans la communion. Voilà. Alors ça, c'est des fruits qu'on voit. Et puis les confesseurs, les chanoines extérieurs de l'école qui ont confessé, ont bien vu que les confessions étaient belles. Ouais, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas raconter, bien sûr, mais qui sont quand même des fruits... des beaux fruits, voilà. Puis ça dépassait, si vous voulez, la mission dépasse, c'est pas que les élèves, il y a les professeurs, et puis ce qui est amusant aussi, c'est de voir la réaction des parents là-dedans, parce que les enfants reviennent chez eux le soir en parlant de saint François de Sales. Et puis il y avait, au cours de la mission, dans les 3 jours, une intervention d'un chanoine adressée justement spécialement aux parents et aux professeurs, parce qu'il faut que les professeurs, en bons éducateurs, se mêlent à la même dévotion que les élèves. Donc finalement, ça rejaillit sur tout l'ensemble du groupe scolaire, non seulement les élèves, mais les professeurs, les directeurs, les aumôniers aussi, hein, et puis les jusqu'aux parents. – Alors vous êtes prêtre référent pour la France de l'œuvre salésienne. En quoi consiste cette œuvre ?– Cette œuvre salésienne, c'est une structure qui soutient toutes les œuvres de l'Institut du Christ roi souverain prêtre en France, qui soutient les écoles, parce que la spiritualité salésienne qui est mise en œuvre particulièrement par saint Jean Bosco est très bonne dans une école, et puis les retraites, l'œuvre des retraites, et puis l'œuvre des colonies de vacances également, et de tous les camps, les œuvres de jeunesse, si vous voulez. Donc le but de cette structure, c'est de soutenir la diffusion de l'esprit salésien en France.
Alors, une petite question me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez proposé aux participants, les parents, les enfants, mis à disposition des livres qui puissent acquérir, l'introduction à la vie dévote ou d'autres ouvrages de saint François de Sales? Alors oui, nous avons alors ça ne s'est pas fait immédiatement au cours de la mission, mais nous avons prévu lors du grand marché de Noël de l'école de faire une table de livres qui sera uniquement dédiée à saint François de Sales. À sa spiritualité, les écrits propres de saint François de Sales comme ceux que vous avez évoqués, mais aussi d'autres, et puis aussi adaptés aux enfants comme cette merveilleuse collection de Belles Histoires, Belle Vie qui raconte l'histoire de saint François de Sales pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le chanoine. Donc, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons le 6 novembre prochain. C'est mon ami Guillaume de Thiolois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.